Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses du milieu de l'édition. Corentin, et je serai votre hôte dans cet épisode, accompagné de Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Corentin. Benjamin donc, vous commencez à le savoir, qui est responsable éditorial aux éditions du commun. Et aujourd'hui on va échanger sur un sujet qui est peut-être celui qui vient de façon la plus évidente à l'esprit quand on parle du travail éditorial, celui de la conception du livre comme objet. Comment est-ce que on commence par concevoir sa forme sous un aspect logiciel, virtuel, comment on donne cet aspect livresque au texte brut, avant de passer finalement à son impression sous forme d'objet physique. Comment est-ce que toi tu définirais ce travail, Benjamin ? Pour ce qui nous concerne en tout cas, parce que le but c'est pas non plus de généraliser, je pense qu'en fonction d'ailleurs du domaine et de la discipline dans lequel la maison d'édition s'inscrit, on n'a pas le même rapport à cette phase-là, mais de notre côté, c'est à mi-chemin entre de l'esthétique et de la stratégie. Voilà. Je pense que c'est bon résumé, c'est de trouver cet équilibre-là, pas toujours évident. Tu peux développer un peu comment ces deux axes vont interagir entre eux ? De le dire de cette manière, en fait, c'était de dire qu'il y a peu de subjectifs dans le sens les goûts et les couleurs, mais vraiment de répondre déjà de base à énormément de codes et de règles du milieu, et encore plus du milieu dans lequel on est, nous, le livre politique, les sciences sociales, etc. Ce sont des univers très différents, en tout cas, de la poésie, la littérature, la jeunesse, etc. Et donc, on a affaire avec le milieu dans lequel on s'inscrit, et on doit se démarquer dans ce milieu-là. Voilà, c'est un peu cet équilibre-là. Donc, la stratégie, c'est surgir et être visible. Et l'esthétique, c'est se démarquer de ce milieu-là. Et du coup, dans cette idée-là, c'est quoi les différentes phases du travail de conception ? Sur le travail à proprement parler physique de maquette d'un livre, on le découpe en deux parties. On a d'un côté la couverture et on a de l'autre côté la maquette intérieure, et qui sont vraiment deux manières de travailler et de penser ça différemment. La couverture, elle vient bien en amont, alors qu'on est encore au travail et au retravail de lecture, réécriture, aller-retour avec les auteurs-autrices. On a déjà, souvent au moins 6 mois avant, pensé un titre, une couverture, une identité. Et la maquette intérieure, elle, arrive lorsqu'on met un point final au texte et qu'on est d'accord avec l'auteur-autrice de passer à la suite. Le tout est pensé dans la maison d'édition, notamment avec Fabrice, qu'on va entendre plus tard, sur une identité de maison d'édition. Voilà. Et ensuite, plus précisément, en fonction des séries, des collections, etc., on travaille pour la couverture avec un binôme qui s'est constitué au fur et à mesure, Clément Buet et Lucie David. Lucie David, illustratrice, et Clément Buet, graphiste de nos couvertures. Tu dirais que c'est quoi l'objectif premier que tu gardes en tête quand tu dois concevoir un livre ? Je peux en mettre au moins 2-3 objectifs. Vas-y, premier. Le premier, c'est on s'inscrit dans la lignée de la pensée plutôt de Jan Schichold, c'est-à-dire on a une esthétique et une maquette qui est au service du texte. Ça, c'est vraiment, on revient à nos enjeux premiers qui sont enlever le plus possible de barrières entre un texte et un lectorat potentiel. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le rapport qualité-prix. Je suis désolé, c'est souvent pas très glamour de dire ce genre de choses, mais on ne fait pas des beaux livres, a priori. Mais on essaie de trouver une esthétique avec un coût modéré de fabrication et de conception pour arriver à un prix de vente raisonnable. Tu parlais de Jan Schichold. C'est on va dire... Enfin, les outils de travail qu'il a posés pour gérer une maquette, mettre en avant le texte, c'est des outils qui sont extrêmement précis, avec un calcul qui est intéressant, mais qui peut être très très contraignant. Vous avez fini par sortir de ce modèle-là pour favoriser quelque chose qui vous convenait mieux, ou vous êtes vraiment resté sur ce qu'il proposait ? Comme je suis ni un expert de Schichold et ni un expert des maquettes,
Je m'en suis servi comme point d'horizon, mais rapidement, on a fait notre manière. Et sûrement, des fois, un peu en dévoyant ce qu'il a posé au départ. L'avantage de Tichold, c'est de se rappeler que dès les manuscrits du Moyen-Âge, il y a une cohérence esthétique et mathématique des proportions de vide autour d'un texte, de blocs de texte, etc. Donc c'est vraiment repartir de ça, en tout cas l'avoir en tête, et de se rappeler que ces règles-là, si elles ont perduré et qu'elles sont construites et affinées des siècles après les siècles, c'est qu'il y a bien une question principale qui est le souci de la lecture. Donc ça voilà, on s'y est posé. Et puis après, on a essayé de faire notre sauce, justement, pour aussi se démarquer ou construire une constante qui puisse faire rappel et rituel dans la tête des gens, quoi. Ok. Et les premiers travaux de maquette, on n'avait pas recours à des maquettistes. A priori, on les a fait nous-mêmes. À l'ancienne. Un peu comme tout le processus des éditions du commun, il y a... un enjeu à mettre les mains dans le cambouis de bout en bout. Donc pendant même longtemps, ça fait seulement 6 mois là, qu'on commence à vraiment passer la main à quelqu'un d'autre, enfin que je commence, parce que c'est jusque-là toutes les maquettes intérieures, bon an, mal an, ont été faites par mes petites mains. Et voilà, et aussi en apprenant en faisant. Voilà, je n'ai pas de formation, de diplôme dans ce domaine-là, donc c'est du travail en faisant. Tu utilises quel type de logiciel pour ce travail-là ? Attention, petit disclaimer, ce qui va suivre n'est pas contre le logiciel libre, mais montre la complexité de tous ces enjeux-là. Donc pour le rappeler, effectivement, le plus possible, nous travaillons dans la lignée du milieu libre, de l'open source. On l'a vu avec les contrats il y a 2 épisodes. Donc l'enjeu premier a été d'aller chercher une suite de logiciels libres pour travailler... l'identité graphique et la maquette intérieure. Donc, j'ai commencé avec Scribus, qui est un outil intéressant. Mais arrivé à un moment, on a rencontré énormément de limites. Et je passe même la question des bugs, c'est pas ça, parce que ça évolue avec les mises à jour, heureusement. Mais je parle de limites techniques. On a quand même des livres à texte et des livres à notes de bas de page. Et par exemple, Scribus n'automatise pas l'insertion de notes de bas de page. Donc quand on doit renseigner manuellement page à page une centaine, voire plus, notes de bas de page, il y a une question rapide de temporalité et de temps qu'on met à cet endroit-là et pas ailleurs. Et donc depuis maintenant un an, on a fait le choix de revenir à l'autre seul concurrent qui a le monopole dans le milieu, qui est Adobe et sa suite, et notamment InDesign. Voilà. Du coup, tu évoques le problème des notes de bas de page, ça implique aussi qu'en fait, c'est vraiment des problématiques qui sont ancrées dans la littérature de sciences sociales. Dans un roman, on aura normalement beaucoup moins d'usage à ce genre de choses, et du coup, le livre s'y prêterait peut-être plus. Oui, tout à fait. Oui, je, dans des maquettes simples, il m'arrive de revenir sur Scribus. Après, je pense qu'il y a l'autre endroit où il m'a satisfait, c'était un exemple, mais c'est une question après de raccourcis, d'habitude, d'usage, où on sent un côté beaucoup plus technique et moins intuitif, mais qui s'explique tout à fait par d'un côté, on a des contributeurs bénévoles qui donnent du temps lorsqu'ils en ont, et de l'autre côté, on a une machine de guerre économique, et encore même, cette machine-là n'est pas parfaite, hein, on a même là rencontré des limites sur de la conversion de notes de fin de texte, des choses comme ça. On met à l'épreuve aussi les logiciels, et ce qui est logique. Je pense que quand on a une utilisation complète et quotidienne, forcément, on convient à toucher les limites. Du coup, concernant les maquettistes qui travaillent avec nous, on a déjà pu rencontrer Lucie, qui a pris le relais donc, de Benjamin sur les maquettes intérieures lors du précédent épisode. Pour cet épisode, on a décidé de vous présenter un peu plus en détail le travail de Clément Buet, qui s'occupe de nos couvertures et qui est venu nous rencontrer au bureau. Alors bonjour Clément. Salut Corentin. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos éditeurs et nos auditrices, s'il te plaît ? Alors je m'appelle Clément Buet, je suis graphiste indépendant depuis 4 ans, je viens de Paris et je suis aussi éditeur associatif. Donc je travaille en tant que graphiste avec pas mal de maisons d'édition dans le domaine culturel en général.
Et j'anime aussi, ça fait un moment, mais un blog sur l'édition qui se concentre majoritairement sur le graphisme des couvertures de bouquins. Voilà. Ça fait beaucoup de casquettes. C'est vrai, mais j'ai une grosse tête. Est-ce que tu pourrais définir un peu ton boulot pour quelqu'un qui ne connaîtrait absolument pas le milieu de l'édition ? Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement ? Alors, mon boulot, le graphisme, en fait, c'est la communication, tout simplement. La communication par l'image, ça permet de représenter, en fait, une idée, un événement, mais concrètement, dans l'édition, ça va être un moyen de donner envie à un client, un futur lecteur, d'acheter un bouquin et de lui donner envie de l'acheter sans trop dévoiler de choses et sans copier non plus la couverture qui s'est faite chez l'éditeur voisin. Essayer de faire quelque chose d'original et qui donne aussi envie de lire et envie d'acheter le bouquin, quoi. Donc choisir une police, choisir une couleur, choisir une illustration, une photo, pour que l'éditeur soit content et l'auteur aussi, accessoirement. Et qu'en même temps, ça donne envie dans une librairie à quelqu'un de s'emparer du bouquin et d'aller à la caisse, quoi. Donc il y a à la fois un travail d'originalité, enfin un travail de visibilité. Tout à fait. D'originalité, mais en même temps de cohérence avec le reste de la collection. C'est difficile de jouer avec ces différents facteurs ? Effectivement, ça dépend un peu à chaque fois du projet. Pour les éditions du commun, particulièrement, c'est un exemple plutôt concret. J'étais amené à travailler dans différents cadres. Donc, il y a eu une création de collection avec les petits manuels. Donc là, c'était la création visuelle de la charte graphique, on va dire, de la collection. Donc, que tout se ressemble, mais que chaque couverture ait son originalité, mais qu'on comprenne que ça fait partie d'un tout. Donc ça, c'était un boulot super intéressant de définir la police, qu'est-ce qu'on met, pourquoi ici je mets un tiret, pourquoi ici je mets la police en gras, voilà, c'est vraiment tous les petits détails qui font qu'au final on aura une couverture, quelle couleur je vais choisir, quel camailleux pour qu'au final les couvertures soient représentées à côté et qu'on se dise « Ah tiens, c'est la même collection ». Et après, comme tu dis, il y a faire des couvertures dans une collection qui est déjà établie. Et donc là, c'est justement de s'emparer des codes qui ont déjà été établis par une tierce personne, s'en emparer pour, à chaque fois, traduire visuellement le contenu du bouquin, quoi. Voilà. Du coup, tu parles de camailleux, de choix de couleurs. Ça veut dire que, en gros, là où chaque personne voit sortir, les lecteurs voient sortir un bouquin par an, par semestre, sur une collection. En fait, toi, tu as eu toute une réflexion à l'avance sur plusieurs tomes de cohérence de cette production-là. Ouais, c'est ça, en fait, quand tu réfléchis à une collection, tu te dis, si je pars sur telle couleur pour le premier bouquin, ça serait quand même mieux que les couleurs que je vais choisir ensuite aillent à peu près ensemble, quoi. Donc essayer d'avoir une vision d'ensemble sur le long terme, pour qu'ensuite il y ait une cohérence qui se fasse assez naturellement sur l'ensemble, quoi. Et tu dirais que c'est quoi les grands points sur lesquels tu te concentres, toi en tant que graphiste, ou que tu conseillerais à un graphiste, nouvellement arrivé dans le milieu, les enjeux qu'il doit garder en tête ? Les enjeux, alors de toute façon, c'est pas que pour le livre, ça restera pour le graphisme en général, donc peu importe le client. La chose principale pour moi, c'est qu'il faut garder en tête que c'est un échange avec ton client, donc que ce soit un éditeur ou quelqu'un d'autre. Donc en fait, il faut se dire que si l'éditeur vient vers toi, c'est que ton travail lui plaît. Déjà, il faut se dire ça. Donc c'est-à-dire que tu es en confiance, c'est toi qui vas travailler là-dessus et que normalement ça devrait plaire. Mais aussi garder en tête que finalement c'est le client qui a le dernier mot. C'est lui qui choisit et qui te dit ça va ou ça va pas. Donc en fait, il faut être force de proposition, pour employer des termes macronistes, et réussir à mettre son ego de côté quand il faut, pour se dire chacun fait un pas en avant, on fait un consensus pour arriver à un résultat qui convient à tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est ça. Et le deuxième truc qui va de pair avec ça, c'est de toujours communiquer. C'est un peu paradoxal, mais penser à communiquer bien avec le client
pour comprendre ce qu'il a en tête, en fait. Comment lui, il veut amener la chose, qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message. Une fois que tu as intégré ça, c'est quand même plus facile ensuite de faire un visuel qui fonctionne. Tout le monde gagne du temps et puis tu es moins frustré au final sur ton boulot, quoi. En parallèle de ce compromis-là, enfin, j'imagine que tu as quand même une identité forte qui finit par se retrouver dans ton travail. Notamment, je pense au jeu des couleurs qui est très très présent sur nos couvertures et qui marque les yeux, on va dire. Il y a une idée pour toi, enfin c'est purement esthétique, c'est un travail, ou est-ce que tu as aussi une intention quand tu décides de poser comme ça un choix de couleur aussi fort? Alors en fait le problème de tous les éditeurs du monde et de tous les clients du monde, c'est qu'ils veulent que leur production se voit par rapport à ce que font les autres. Le problème, c'est que tout le monde veut faire à peu près la même chose, c'est-à-dire mettre une couleur péchue, un truc qui envoie bien. Et au final, tu te retrouves avec des couvertures qui font toute la même chose et en fait, on s'y retrouve plus. Donc, c'est difficile de jauger, de se dire, bon, bah, si je mets cette couleur-là, est-ce que ça n'a pas déjà été fait? Est-ce que tout le monde ne fait pas la même chose en ce moment? Donc, c'est important aussi d'aller se promener, tu vois, dans des librairies, des choses comme ça, pour voir les productions actuelles, pour suivre un peu les tendances. S'y accrocher ou s'en détacher, ça dépend aussi de comment travaille la maison d'édition, quoi. Est-ce que tu as envie de faire un truc qui colle à ce que tout le monde fait, ou si tu as ton identité propre, tu te dis, bon, bah, on fait fi de la tendance et on va dans la bonne direction. Tu parles de tout un travail de veille, d'observation, en fait, de ce qui se produit. Est-ce que une part de ton travail, c'est aussi d'apprendre à connaître les textes sur lesquels tu travailles, ou bien toi, tu restes concentré sur l'aspect purement visuel et structurel? Bah, la veille, c'est super important, oui. Et effectivement, pour les textes, je préfère toujours avoir un extrait du texte ou même le texte en entier. C'est mieux, si j'ai le temps, bien sûr. Ça dépend de quand est-ce qu'on me propose le projet et combien de temps il y a pour le réaliser. Mais ça marche surtout dans le cadre d'un roman, tu vois, de la fiction. Si tu peux lire le texte avant, bah, tu comprends les enjeux, tu comprends la fin. Je sais pas si c'est un polar, un truc comme ça. Et donc tu sais ce que tu peux dévoiler ou ce que tu peux ne pas dévoiler sur la couverture. Et donc après, tu as plusieurs façons de faire. Soit tu vas faire un truc assez générique qui va, une fois que tu as lu le texte bien entendu, qui va faire quelque chose d'assez général. Ou alors tu fais un clin d'œil que seul le lecteur, une fois qu'il aura attaqué le bouquin, va piger. Mais pour moi, oui, c'est toujours important d'avoir une idée du texte, quoi. Surtout pour les éditions du commun, comme c'est surtout de la science sociale, t'as besoin de savoir de quoi ça traite, surtout quand t'es pas forcément familier avec le sujet, quoi, pour éviter de se planter et pareil, de perdre du temps et de toujours retarder le truc, quoi. Du coup, tu places comment ton travail par rapport à cette œuvre écrite? Tu dirais que ton boulot, c'est de valoriser ce texte? On va pas être trop prétentieux non plus, mais je dirais qu'il y a deux choses différentes me concernant. C'est que je te disais tout à l'heure que je bosse dans une maison d'édition associative aussi, où là, le parti pris, c'est justement que le texte soit servi par le graphisme et l'édition. Donc là, c'est vraiment un truc très conceptuel où on y va à fond, que ce soit de la couverture, tous les détails du bouquin à l'intérieur et tout ça. Donc ça sert vraiment le texte. Mais pour les bouquins des éditions du commun et les bouquins en général, ça se concentre majoritairement sur la première de couverture, la quatrième. Et là, c'est pareil, ça sert le texte, mais ça reste surtout une façon de vendre le livre, en fait. C'est un peu le... Parce que quand t'es dans une librairie, tu veux acheter un bouquin, si t'as pas d'idée précise, qu'est-ce qui va te décider? C'est la couverture. Donc en gros, comment tu fais pour que dévoiler suffisamment d'informations à l'intérieur et en même temps donner envie à une personne lambda d'acheter le bouquin? Bah c'est ça, en fait, ça reste du commerce et c'est le premier, c'est l'affect, en fait, qui va être, il faut susciter un sentiment chez le futur lecteur pour que ce sentiment, que ce soit de l'interrogation, de l'envie ou quoi, se transforme en acte d'achat finalement, parce que voilà, même si on se dit que l'édition c'est quelque chose d'artistique, c'est l'art avec un grand A, la culture, au final ça reste l'industrie du livre et qu'au final il faut vendre des bouquins, donc voilà, ça reste très commercial et très très basique finalement comme façon de faire. Dans le cadre de certaines couvertures pour les éditions du commun, tu travailles aussi avec une illustratrice. Comment ça se passe, le travail de
coordination d'équipe finalement qui peut se passer dans ce genre de cas? On bosse souvent en trio, donc avec Benjamin Roux et Lucie David, pour réussir à trouver la bonne illustration, si elle, elle a déjà une idée, si quelqu'un d'autre en a une. Moi, de mon côté, je vais surtout travailler sur l'agencement du texte, sur les couleurs, et voir comment la typo, enfin comment pardon, l'illustration peut s'intégrer à la maquette que j'ai mise en place, et éventuellement, bah voilà, si j'ai une idée, un truc qui pourrait améliorer son truc, ou elle inversement, essayer de rester dans l'échange au maximum et être le plus bienveillant possible, sans dire je sais mieux que toi, c'est moi qui ai raison. Voilà, essayer de rester sur autant que faire se peut sur un pied d'égalité et d'échanger quoi. Merci beaucoup à Clément d'être passé nous voir et d'avoir accepté d'échanger autour de son travail. Il y a certains bouquins sur lesquels on a fait appel à d'autres graphistes maquettistes pour les couvertures. Je pense à la série de revues Agencement, où on a pour le coup demandé à Lucide. Pourquoi ce changement ? Qu'est-ce qui a motivé le fait d'aller voir quelqu'un d'autre que Clément ? La revue est un format particulier pour nous. On le porte au sein des éditions, mais ce n'est pas non plus prégnant dans un partie intégrale du catalogue, et en même temps ça contribue à une écologie de textes et de publications auxquelles on tient. C'est une périodicité aussi, contrairement à une maquette de livre qui est faite pour durer. Là on a un appel, un rappel à ce que le travail de maquette, l'identité, soit travaillé tous les 6 mois pour le cadre de la revue Agencement. Et donc il nous a semblé que ça nécessitait un travail spécifique, et qu'assigner une personne sur le projet global pouvait justement donner une consistance à l'identité. Voilà. Pareil pour certains bouquins qui sont particulièrement ambitieux, où on a mobilisé un peu plus de personnes. Je pense à L'Horizon est ici, qui sort en novembre, au moment où on enregistre cet épisode, et qui a une forme, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui est vraiment plus gros que ce qu'on fait d'habitude, et l'agencement du texte à l'intérieur est aussi très spécifique. On avait quelqu'un qui était directement sur cette mission, Marine, qui était stagiaire graphiste. C'était quoi les enjeux spécifiques d'un bouquin aussi hors norme ? Ce livre-là, il a nécessité de prendre les choses à l'envers par rapport à ce que je présentais précédemment. C'est-à-dire qu'on vient souvent en travail de maquette, enfin on vient tout le temps en travail de maquette lorsque le livre est terminé. Parce que les risques de faire des bêtises sont grands, de revenir dans un texte en réécriture alors qu'on vient d'en finaliser sa mise en forme. Alors qu'à l'inverse, L'Horizon est ici nécessité de poser les bases de la maquette et de travailler en relecture et en réécriture sur un livre fini. Voilà. Et comme tu l'as dit, c'est un format atypique qui nécessite pour les 3/4 du livre un maquettage page à page. Et donc, il a fallu poser les 137 pages une à une. Donc là, on a effectivement travaillé à trois, Marine, Lucie et moi. Et déjà, il a fallu se coordonner, poser plutôt dans un travail répétitif une première tâche préalable de disposer tout le texte sur toutes ces pages-là. Et ensuite, de venir en impression d'épreuve, réécriture, relecture, modification, revérification, etc. Pour donner une idée aux auditeurs de comment ça fonctionne, on a déjà un peu vu ça avec Lucie. Normalement, lorsqu'on fait une maquette, on a un gabarit qui est reproductible de livre en livre, et ce dans lequel on va, à quelques détails près, et dans lequel on va couler le texte qui va du coup naturellement prendre la forme qu'on va lui demander en fonction de ce gabarit qui est automatisé. Devoir faire chaque page une par une, c'est vraiment un travail colossal en fait pour un éditeur. Personne fait ça à moins de livres vraiment exceptionnels. Exactement. Une fois que le livre est conçu, du coup, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, il faut lui donner une forme physique pour qu'il finisse par arriver en librairie. C'est à ce moment-là qu'intervient l'imprimeur. Quand tu es arrivé à cette phase-là, sur les premiers livres, tu t'y connaissais un peu sur tous ces aspects techniques, sur comment il fallait aller voir un imprimeur, ce qu'il fallait lui demander ? Pas du tout. C'est pour ça qu'on travaille avec des imprimeurs et que depuis bien longtemps, les éditeurs ne sont plus éditeurs et imprimeurs. C'est que c'est un travail particulier, technique, et donc l'idée c'est de travailler en relation, et donc là c'est aller à la rencontre de nos interlocuteurs et de discuter franchement du papier, du livre, des formats, de ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire. Et j'avoue que ça c'est l'idéal de départ, et qu'aujourd'hui on reste encore assez frustré et en limitation là-dessus. On peine
aujourd'hui à trouver un équilibre qui serait d'avoir un contact de 1-1 avec un imprimeur avec qui on travaille constamment et qui serait vraiment en compréhension totale de notre projet et qui viendrait travailler le livre avec nous. Aujourd'hui, malheureusement, le système économique fait que on peut pas travailler avec des petits imprimeurs. Économiquement, aujourd'hui, c'est pas tenable si on veut tenir des petits prix, rentrer dans le circuit, etc. Et qui dit en vis-à-vis donc gros imprimeurs pour pouvoir tenir ces prix, on a souvent des machines en face de nous où raisonnablement on reste petit quoi, et on peine des fois à avoir l'échange qu'on aurait aimé quoi. C'est vrai que nous on est moins en tout cas dans cette optique là, mais le point de vue que j'ai pu avoir en allant vers d'autres éditeurs pour leur poser des questions, c'est que il y a la sensation d'un rapport de marchand de tapis entre guillemets. C'est le fait aller voir un imprimeur et lui dire ok combien il me fait, en aller voir un autre, lui dire lui il me fait ça, combien toi tu me fais, et ça sur 4-5 en échangeant avec les autres, pour finalement s'apercevoir qu'ils sont tous prêts à baisser considérablement leur prix pour avoir l'intégralité du catalogue de l'année, ce genre de choses. C'est un rapport qui est particulier en fait, qui est très commerçant, et c'est normal, c'est aussi des problématiques qu'ils ont eux en tête. Finalement, tes choix ils sont d'imprimeur, ils sont fixés comment? Il y a une volonté première de pas dépasser les frontières françaises. Ça ça va de soi. Je comprends et j'entends que d'autres ont fait le choix d'aller plus loin pour ces questions économiques, mais c'est un seuil qu'on ne voulait pas franchir. Voilà. C'est pas du cocorico et pour apposer un drapeau bleu, blanc, rouge made in France sur nos livres, mais vraiment c'est une question de cohérence écologique, on va dire, à minima, de déplacement d'objets et de produits. La deuxième, c'est de restreindre encore plus ce territoire-là à un territoire plus près, c'est-à-dire de garder de la proximité avec l'imprimeur pour si jamais il y a un projet particulier ou si jamais il y a un besoin au monde dans la discussion de se rapprocher, c'est de pouvoir se déplacer, d'aller les voir. Maintenant, on travaille avec deux, trois imprimeurs, justement, à défaut d'avoir trouvé aujourd'hui notre relation idéale, on se cherche encore. On espérait avoir une constante et maintenant on est obligé de repartir, mais voilà, on progresse. En dehors de ça, il y avait d'autres facteurs décisionnels. Par exemple, au début, on a commencé avec Identique, qui est un petit imprimeur rennais, mais c'était une question de format. On n'a pas pu continuer là aussi parce que nos exigences de fabrication de livres avaient changé. Tout avait changé. On revient sur ce que je disais. L'avantage avec Identique, c'est qu'en 5 minutes, on était chez eux, on discutait et on était au travail. On a pu bosser avec eux dès le départ parce qu'on a commencé avec des brochures à graffer et plier. Et là, c'est leur cœur de métier et on était aussi sur des petites quantités. Et donc voilà, donc on a changé, on est passé sur du broché, du dos carré collé, et on a augmenté fortement nos quantités. Et donc à un moment déjà pour eux, c'était moins leur expertise. Et de notre côté, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tenir les coûts de travailler avec eux si on voulait tenir aussi des livres possiblement plus accessibles et moins coûteux. Là aussi, un peu de définition. Du coup, la graffe et plier, ça va ressembler beaucoup à ce qui se fait dans le milieu des zines ou des brochures un peu classiques qu'on peut trouver en promotionnel, par exemple. Alors que le dos carré collé, on est sur ce que vous trouvez comme bouquin en vente de façon beaucoup plus classique, quoi. Concernant l'imprimeur, du coup, on n'a pas été vers un de nos imprimeurs privilégiés parce qu'ils sont tous très occupés. Du coup, on a réussi à contacter une imprimeuse professionnelle sur Rennes qui travaille chez Média Graphique, Julia, qui a accepté d'échanger un peu avec. Bonjour Julia. Bonjour Quentin. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît? D'accord, alors Julia, j'ai 30 ans et je suis imprimeuse depuis environ un an suite à une reconversion professionnelle. Ok, t'es imprimeuse où? Je suis imprimeuse donc à Média Graphique, une imprimerie rennaise d'une trentaine de personnes et qui est une SCOP depuis les années 80. 30 personnes, c'est beaucoup dans le milieu de l'impression? 30 personnes, c'est une bonne imprimerie, oui. C'est pas beaucoup parce qu'il y a des imprimeries de 100 personnes, mais 30, on va dire que c'est une belle structure déjà.
Pour commencer, comment tu décrirais le travail d'imprimeur à quelqu'un qui connaît absolument rien à ça ? Alors, le métier d'imprimeur, donc c'est un métier qui est très technique. Je vois le métier d'imprimeur comme un peu le maillon d'une chaîne où il y a différents métiers en fait dans une imprimerie. Et donc, l'imprimeur ne s'arrête pas simplement à appuyer sur un bouton. On va surtout chercher à répondre à la confection d'un produit en l'imprimant. Et le fait de l'imprimer, en fait, c'est surtout répondre à des problématiques techniques que la machine, la matière première, va aller nous apporter. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que tout se passe bien. C'est ça, surtout, le métier d'imprimeur. Et ensuite, de renvoyer la balle pour que le façonnier et le reste des équipes fassent du travail tout aussi qualitatif qu'on a cherché à le faire quand on l'a imprimé. Tu dis que tu fais partie d'une chaîne, que tu es un maillon dans une chaîne d'équipes au sein d'une imprimerie. Je pense que, enfin, moi personnellement, je connais pas du tout les différents rôles au sein d'une imprimerie. Tu peux nous les décrire un peu ? Une imprimerie, ça commence avec le devis. Dans le devis, en fait, on va commencer à concevoir le produit à ce moment-là, parce qu'il y a une étape de réflexion sur la matière. On va conseiller, parfois on va faire des recherches de développement sur comment est-ce que on va faire un pli, comment est-ce qu'on va façonner, est-ce qu'on va proposer plutôt de la reliure ou de la spirale, etc. Et donc, quand je dis reliure, reliure cousue, reliure collée, voilà, il y a différents types de reliure. Donc ça commence là. Le client commence à imaginer à ce moment-là le produit et ensuite, on passe à l'étape traitement de informatique. Donc là, on appelle ça le pré-presse. Le pré-presse, donc, c'est les geeks de l'imprimerie. Hein. Ils vont aller chercher à détecter le moindre problème qui va pouvoir, le moindre problème de fichier qui risque d'intervenir sur la machine. Voilà, donc ça va être des problèmes de typo, de résolution d'image, de colorimétrie, parce qu'on va chercher à traduire un bit en encre. Et ça, c'est un parcours qui est un petit peu complexe au final. Et voilà. Et ensuite arrive l'impression, donc l'imprimeur, qui va aller gérer la machine, gérer le papier. Et ensuite, on va rentrer dans les étapes de façonnage. Donc, le massicotier qui coupe, très important, la coupe du papier. C'est un rôle qu'on sous-estime souvent. Et puis après, on a tout ce qui va être le pliage, le façonnage, donc de différents types. Donc, on a de la dorure, on a du vernis sélectif, on a des on a plusieurs. Donc en fait, on a tendance un peu abusivement à dire qu'imprimeur, c'est la personne qui travaille dans une imprimerie, mais ça ne se résume pas du tout à ça. Et notamment, l'imprimeur, en fait, c'est celui qui va gérer l'arrivage sous format papier, essentiellement. Essentiellement. En fait, c'est ça le but. C'est de rendre un produit numérique sur un format papier. Et c'est là qu'arrivent les problèmes, en fait. Parce que voilà, on a l'encre. L'encre, en fait, on n'a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en encre. Pour créer les couleurs de l'arc-en-ciel, on utilise 4 couleurs. Le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Benjamin Day est celui qui a inventé le tramage. Donc, c'est-à-dire qu'on va... le tramage, c'est l'association de différents points sur toute une linéature pour composer la couleur attendue. Et voilà. Et donc après, les couleurs que l'on souhaite obtenir, ça c'est une gestion de la colorimétrie. Donc le fichier informatique doit obtenir les bonnes informations pour pouvoir avoir le bon rendu sur le papier. Donc à travers cette encre, en fait, cette encre, elle réagit aussi par rapport au papier sur lequel elle va être posée.
Donc le papier, soit il est couché, donc c'est-à-dire qu'il a une petite pellicule qui va le rendre plus ou moins brillant, ou alors il est offset. Offset, donc c'est pas comme la machine, c'est le papier qui est naturel et qui n'a pas de couche, de coucher. Et donc après ce papier offset, on peut aussi partir sur du papier de création, parce qu'on va aller chercher à le rendre des creux plus ou moins importants pour lui donner de la matière, de la texture et de la main aussi, c'est-à-dire de la densité. Pour nos éditeurs, une machine offset, c'est quoi ? Alors la machine offset, c'est la grosse machine qui va permettre d'imprimer et donc qui est composée de quatre rouleaux principaux et par un système de mouillage, on va aller mettre de l'eau, puis mettre de l'encre sur une plaque qui rentre dans chacun de ces rouleaux. Donc il y a une plaque pour chacune des couleurs, CMJN. Et parfois ensuite on a d'autres rouleaux pour le vernis ou pour des couleurs Pantone. Cette répulsion de l'eau sur la plaque va permettre ensuite de faire adhérer l'encre et faire par un système de transfert, donc de rouleau en rouleau, arriver sur le papier. Voilà, donc ce papier, il arrive imprimé et il y a ce fameux rouleau aussi blanchet qui permet de rendre une force plus ou moins importante pour pouvoir adhérer au papier qui est plus ou moins différent. Donc soit il est offset et donc on doit plus rentrer dans son grain, soit il est couché et donc on rentre un petit peu moins. Et là, il y a toute une technique de savoir comment va réagir le papier par rapport à la machine et donc ensuite les régler. Économiquement, ou en tout cas en termes de charge de travail, le livre, ça représente beaucoup du travail quotidien d'un imprimeur ? Le livre, non, c'est pas ça qui va faire vivre l'imprimerie. Ça en fait beaucoup partie et puis c'est surtout les projets les plus intéressants. Le livre, c'est un gros, gros travail. Pour le concevoir déjà, j'imagine que dans tout ce podcast on va pouvoir se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière pour en arriver à sa finalité et du coup ces projets-là sont peut-être moins courants que l'impression d'une plaquette par une entreprise ou l'impression de différents supports qui vont permettre de faire des devis ou etc. etc. Ou pour une structure culturelle qui va chercher à imprimer des plaquettes et des flyers pour communiquer sur les différents concerts qui vont passer, etc. Voilà. Donc le livre, par exemple, nous, dans notre imprimerie, elle va aller travailler avec la Fondation Cartier, ou quelques musées parisiens et donc une expo va aller demander à imprimer des affiches, des cartes postales pour tout le merchandising et un bouquin de l'exposition. Et donc là c'est le bel objet qui va ressortir de cette commande. Voilà. C'est quoi la différence entre imprimer un livre et imprimer une plaquette promotionnelle, par exemple ? En quoi le livre se différencie comme tâche ? Le livre, en fait, déjà, ça va être à la base au moment du pré-presse, où il y a toute une réflexion technique qui va avoir lieu, parce que façonner un livre... C'est important parce qu'on n'imprime pas page par page. On imprime sur des grandes planches de papier. Et donc, ces grandes planches de papier doivent être ensuite mises en cahier ou recoupées, repliées pour pouvoir ensuite avoir ce livre. Donc, l'imprimerie a créé plein de petites astuces pour réussir à, sur une grande planche de 70 cm par 100, pouvoir tout plier et finir avec seulement trois coupes, à avoir
les pages en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. dans l'ordre. Donc, en gros, sur une planche, on va avoir une imposition avec la page 1 qui se retrouve avec la page 12 en fin. Ensuite, à côté, c'est la page 5, et etc., etc. Et donc, en fait, on a l'impression que c'est un vrai bordel, mais tout ça, ça finit bien. Voilà. C'est principalement ça. Et après, il y a plein de petites astuces. Et puis même, en fait, en amont, toute la réflexion que l'éditeur va avoir avec l'imprimeur au moment de la confection du livre, sur le devis, combien ça coûte, quel est le papier qu'on va utiliser, pour quelle utilisation, est-ce qu'on cherche à avoir un papier qui se ressent plus à la main, qui est plus lourd quand on va tourner les pages, ou alors un papier un petit peu plus léger, ou alors du calque, parce qu'on veut créer cet effet-là dans la lecture, un effet de respiration, tout ça. Tout ça, c'est beaucoup de réflexion en amont. Voilà, donc forcément, avec l'expérience, on arrive à des choses, à des décisions beaucoup plus rapides, mais je pense qu'il faut beaucoup d'expérience aussi. C'est... Enfin, justement, pour gérer la complexité de cette tâche, on conseille souvent aux éditeurs d'aller voir directement leur imprimeur. Et d'ailleurs, c'est un peu l'idéal pour un éditeur de se dire qu'il est en mesure d'aller régulièrement voir son imprimeur pour, au moment de l'impression, pour voir comment ça se passe. Mmh. En tant qu'imprimeur, toi, quelle relation tu as avec les éditeurs ? Alors, moi, je suis une petite main dans cette grande chaîne. Donc, ma relation avec l'éditeur, elle va être au moment du BAT, donc, c'est-à-dire du bon à tirer. L'éditeur va aller contrôler si les couleurs qu'il avait pensé, imaginé pour son fichier, sont bien respectées. Et en fait, parfois, la machine, elle peut avoir un petit peu trop de densité au niveau de la couleur. Et donc, l'éditeur va demander à peut-être réduire un petit peu la couche d'encre pour avoir quelque chose de moins bouché. Et inversement, hein, parce que parfois, on veut quelque chose qui soit bien pop, bien flashy, et il ne faut pas hésiter à faire couler l'encre, là, bien sûr, quoi. Et après, il y a toujours possibilité. Alors, moi, je suis sur une machine qui est numérique. C'est différent par rapport à la machine offset. C'est le même principe, mais il y a un procédé qui permet de manipuler le fichier et l'impression légèrement différemment. Et donc là, si moi, l'éditeur, il y a des couleurs qui ne finalement lui correspondent plus au moment d'imprimer, j'ai toujours possibilité d'intervenir sur les couleurs. Avoir un rouge différent, avoir un vert différent. On me demande un vert sapin, je peux t'avoir le vert sapin, il n'y a pas de souci. Voilà. Et justement, cette relation entre deux professionnels qui ne parlent pas forcément exactement le même langage, parfois elle peut être compliquée. Toi, est-ce que tu aurais des... on va appeler ça des conseils de bonne conduite, de bonne communication à donner aux éditeurs pour que la relation avec l'imprimeur se passe bien? Oui, alors c'est une question un petit peu difficile. C'est sûr que, en plus de par mon expérience qui est passée par un parcours de graphiste avant, qui a beaucoup travaillé avec des graphistes, cet échange de vocabulaire, ce jargon, il est très compliqué à être entendu d'un côté comme de l'autre. Et c'est vrai que, en fait, si le graphiste ne sait pas comment marche techniquement une imprimante, enfin une presse, excusez-moi, parce que l'imprimante c'est plus pour le bureau en termes de vocabulaire. Donc, le graphiste ne sait pas comment marche la presse, ça peut vite arriver à des problèmes. Et derrière aussi, ce qui est compliqué, c'est que l'imprimeur, au moment du devis, il peut pas répondre à toutes les questions. Donc il faut réussir à venir avec une idée à peu près aboutie quand même, et de connaître les utilisations de tel type de papier, de tel type de façonnage, de tel type d'ennoblissement entre le vernissage, etc. Donc il faut, je pense, beaucoup regarder les bouquins, pratiquer, discuter,
voilà, et se faire au jargon aussi. Merci encore à Julia pour avoir partagé son expérience. Du coup, on a bien évoqué le livre comme objet physique, mais aux éditions du commun, on diffuse aussi nos livres en PDF. On envisage de les placer sous format EPUB, et on a toute une réflexion autour d'une forme de littérature numérique autre. Quel sens ça a de diffuser de l'objet papier quand on propose ces formats à côté ? On revient à la base initiale de notre travail éditorial, c'est on croit en des textes et on veut faire en sorte qu'il y ait le plus de rencontres possible avec un lectorat. Et donc ça oblige forcément à multiplier les formes et les points d'accroche, quoi. Et pour moi, il n'y a aucun intérêt. Aujourd'hui, ça bouge, mais quand je commençais vraiment à m'intéresser à l'édition, j'ai rencontré en fait deux mondes assez distincts. On avait le vieux monde de l'édition papier, apeuré du numérique et voulant en faire son ennemi comme l'était la photocopie dans les années 80. Ça montre aussi le côté un peu ancestral des raisonnements. Et de l'autre côté, on a tout un champ du pro-numérique qui s'engouffre là-dedans, parce que c'est aussi des usages de lecture qui bougent, mais qui des fois avait justement du mal à repenser une critique du numérique qui doit être nécessaire. Sans se targuer qu'on soit les seuls à être dans cet entre-deux, c'était comment on rentre en complexité et en débat entre deux univers qui ont du mal des fois à faire ami-ami. Et puis on revient aussi dans la base de notre travail, c'est que la question de l'argent ne doit pas être un prétexte à ne pas accéder à un savoir. Et donc il était logique, à minima, de rendre disponibles les textes en ligne. Voilà. Et donc on reste persuadé qu'il y a une nécessité, une pratique et un rapport à la lecture qui passe par un format papier. En plus, quand on vend un livre papier, c'est rappeler que derrière, il y a toute une économie. Donc quand on paye un livre, on rémunère plein de gens. On ne refera pas la liste parce qu'elle est disponible en vis-à-vis des podcasts et que justement, le podcast, dans tous ses épisodes, rappelle toutes ces personnes-là. Mais voilà, c'est aussi dire que on peut accéder à un savoir et que ce n'est pas dépendant du fait qu'on peut créer une économie autour d'un livre et rémunérer tous les gens qui sont derrière. Concernant la ligne, on va dire, esthétique qu'on a posée sur nos collections, que Clément a un peu évoqué, enfin longuement évoqué, comment, on va dire, tu portes cette identité sous un format numérique ? On n'est pas venu là-dessus en précision, mais on dissocie l'identité communicationnelle, d'identité graphique de la maison d'édition, de l'identité des livres. Voilà. On a travaillé une identité des livres, déclinaison par les séries, les styles de texte, et on pense une manière de parler des éditions, que ce soit sur des supports papier, nos catalogues, nos affiches, les stands, etc., comme donc une version matérielle et une version numérique, en vis-à-vis, parce que c'est aujourd'hui un gros support de diffusion et de renseignement pour les personnes qui veulent aller plus loin dans ce qu'on fait. Et pour ça, on l'a pensé avec Fabrice Lerenne, qui un peu travaille notre direction artistique, et on a posé ensemble cet équilibre-là d'esthétique dans ce qui nous ressemble, et on s'approche notamment... dans le milieu architectural, la question du brutalisme, comment on ne vient pas mettre des paillettes et dissimuler les choix de matériaux qu'on utilise, quoi. Que ce soit matériaux web, du code, et couleurs, système, etc., comme les matériaux papier. Lorsqu'on fait des stands, le rappel de nos dos barres rouges inclinés se fait par du scotch à la main posé sur les papiers qu'on écrit nous-mêmes. Voilà, il y a tout un travail vraiment... brut, et aussi pour une question toujours de revenir à du fait soi-même, de maîtriser ce qu'on crée, et une question de coût, encore une fois. Justement, j'ai pu échanger un peu avec Fabrice, c'était pas très difficile, c'est notre éternel voisin de bureau, et avoir un peu son point de vue de designer, son point de vue de responsable de la direction artistique, quelque part, sur ce travail-là. Bonjour Fabrice. Bonjour Corentin. Et bienvenue à La Mécanique du Livre.
pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît ? Oui, je suis designer et développeur web en particulier. En ce moment, je travaille donc pour les éditions du commun dans le cadre d'une forme de direction artistique, mais aussi sur le site internet. Et à côté de ça, je travaille également sur des projets plus techniques, d'infrastructures d'hébergement, ce genre de choses, ou du conseil pour du site web. Voilà. Ok. Comment tu définirais ton travail à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, à la fois ton emploi tel qu'il est, il est conçu sur le marché, et comment toi tu le pratiques concrètement ? Donc je vais plutôt me concentrer sur la partie design et enlever la partie technique. Je dirais que ça dépend énormément des projets et de la manière de, on va dire, de poser un cadre et un process. L'exemple des éditions du commun, ce n'est pas forcément l'exemple le plus classique, puisque en fait, on travaille dans les mêmes locaux. Donc ça change énormément la relation. Et alors qu'habituellement, pour de la commande classique, il n'y a pas autant de proximité. On s'est retrouvé dans un espace de coworking, face à face au bureau, sans connaître nos activités respectives. Et de fil en aiguille, à se donner quelques coups de main, ce genre de choses. J'ai commencé à intervenir sur une chose, sur une autre, en particulier sur l'identité. Parce qu'au départ, il y avait vraiment que surtout le logo, et j'ai commencé à travailler sur vraiment la partie communication, donc poser un système graphique, des choses récurrentes qui puissent être réutilisées par tout le monde. Et puis après, il y a eu ce travail un petit peu informel sur des couvertures ou sur certains livres, la forme que pouvait prendre l'objet. Et puis en ce moment, je suis sur le site internet. D'accord. Ça, c'est le travail de direction artistique, tu disais ? C'est un mix. Le travail de direction artistique, je dirais qu'il est plus sur, il a été plus sur le print, parce que alors que sur le web, là, c'est un mélange. Hein, c'est pas que ça. Il y a une partie technique aussi, et puis vraiment une partie de design web pur et dur. Ce qui est intéressant pour moi, justement, c'est qu'on est sur une approche globale qu'on n'a pas toujours en termes de design et assez transversale. Ça passe aussi par beaucoup de moments de discussion qui relèvent plus du travail de Benjamin, du travail d'éditeur, en fait. Quand tu as travaillé sur l'identité visuelle des éditions du commun, quand tu as bossé sur cette cohérence au travers de la communication, les couvertures, aujourd'hui le web, c'était quoi les points principaux que tu avais à l'esprit qui te semblent importants de garder en tête quand on bosse sur une identité visuelle ? Donc pour moi, ce qui sous-tend tout ça, bizarrement, c'est lié à vraiment la manière de travailler ensemble et à chercher des solutions avec des moyens très simples. Et pour autant, ce n'est pas forcément des solutions simples, simplistes. Mais en tout cas, en termes de matériaux, en termes de manière d'exprimer les choses, il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on est dans un geste assez immédiat et reproductible. On a beaucoup pensé à ça, en fait, à cette question de l'usage de ce qui est développé par les différents acteurs des éditions du commun. Donc, en premier lieu, évidemment, Benjamin, mais aussi différentes personnes qui travaillent régulièrement soit sur la communication, soit plus sur... Voilà la partie mise en page, ce genre de choses. Je dirais que pour moi, c'est le fil directeur. Après, il y a évidemment d'autres choses qui relèvent plus de parti pris qui sont aussi liées à ma pratique, entre autres ma pratique plastique, qui est quelque chose d'assez minimal. Et puis, c'est des questions de sensibilité, bien sûr, après. Tu dirais que ce minimalisme, il va aussi dans le sens d'une esthétique qui doit être au service de la lecture ? Oui, qui sait se faire oublier, en tout cas. J'ai employé le mot minimalisme, mais c'est peut-être pas le meilleur. Peut-être qu'on a pas mal creusé des notions plus de brutalisme en référence à ce courant d'architecture, en tout cas pour le web, mais c'est-à-dire d'avoir un matériau brut qui est pleinement, concrètement, qui est entièrement visible, qui n'est pas caché, qui crée la forme, tout simplement. Donc oui, c'est toujours délicat de trouver quand même quelque chose de subtil, qui soit efficace et en même temps, qui sait se faire oublier quand c'est nécessaire. Après, moi, je distingue bien quand même la communication
et le travail qui se fait par exemple sur les couvertures. C'est deux choses très différentes. Et concernant la communication sur le web, c'en est encore une autre en fait. D'ailleurs, on est parti pour la refonte du site sur un parti pris. Évidemment, il y a des points communs hein, avec la communication, mais on se distingue quand même du reste de la communication. Ok, et comment tu fais pour garder une cohérence au travers de tout ça, si c'est si distingué entre le site, aujourd'hui les podcasts Je pense que c'est toujours dans ce travail, le fil directeur il est toujours le même, donc on a on va dire, une palette de jouets, d'outils. Comme par exemple On a quand même ces deux barres sur le logo qui ont servi de base pour la communication, qui sont quand même un gros fil directeur, on a le rouge qui est hyper important. On a expérimenté un peu plus avec des typos HSFX récemment aussi, donc c'est ce qu'on a repris sur le site web. Et puis c'est dans la manière de disposer les choses, c'est de faire simple et impactant, quelque chose d'assez brut. Donc on a ces différents outils à disposition, et ben, pour une communication en particulier, on va tirer sur un et déployer autour de celui-là. Sur une autre communication, on va partir sur autre chose, mais en fait, on a deux, trois éléments de base qu'on peut déployer à volonté. Ok, donc en gros, on parle d'une forme, d'une couleur, d'une orientation de typo, et à partir de là, on déploie autour. J'aime beaucoup l'idée de système, de ne pas figer une identité, par exemple, autour de simplement un logo avec voilà, une charte colorée, ce genre de choses, mais pouvoir penser aux gestes. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a pensé le logo, enfin, on va dire les extensions du logo pour la communication, on est parti sur ces deux barres parallèles, correspondent à celle qu'il y a sur le logo qu'on a mise en oblique et en rouge, mais ça a été pensé effectivement bah, graphiquement à l'écran, mais donc pour être imprimé, mais aussi parce que on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire de rapide et de peu coûteux sur un stand, et là c'est là qu'on a acheté du scotch rouge tout simplement pour le faire en vrai, et de la même manière on a pensé à ce qu'on pourrait faire avec des tampons. Donc en fait c'est aussi ce qui sous-tend et qui rend intéressant ce travail, c'est que quand je parlais de gestes, c'est vraiment ça, c'est qu'on on est dans le au-delà de penser à ce qui est représenté visuellement et à une certaine forme, c'est de penser aussi les outils et les gestes qu'on peut faire avec. On est dans la stratégie dans le sens où on a posé une ligne directrice, un espèce de vecteur sur lequel on va travailler. Et ça a posé une forme d'esthétique derrière. Et c'est ça qui sous-tend tout le travail, au-delà de quelconque forme. C'est-à-dire, je pense qu'on pourrait faire, pour un événement particulier, une communication complètement différente, mais qui soit toujours en cohérence avec ce qu'on a posé, pour que ce soit l'identité, que ce soit le site web. Merci beaucoup à Fabrice, du coup, d'avoir échangé avec nous. Le mot cohérence, c'est un mot qui est beaucoup revenu pendant cet épisode, qui a traversé pas mal la réflexion de Fabrice, la réflexion de Clément, la nôtre. Comment est-ce que toi, tu gères cette cohérence entre différentes, je disais tout à l'heure, des branches? Finalement, c'est un peu ça. Chaque collection, les revues, la communication sont des choses gérées séparément, mais qui doivent pouvoir s'évoquer les unes les autres. Cette cohérence, elle est dans un équilibre fragile, la dialectique que je posais au départ, hein, d'un côté l'esthétique et de l'autre côté la stratégie. Si on prend l'exemple des couvertures, cette dialectique, elle est un peu mise à mal, puisque j'ai tout le temps, et j'essaye le plus tôt possible dans la relation avec les auteurs-autrices, de rappeler qu'une couverture, c'est 80% de stratégie, 20% de singularité, d'envie et de plaisir. Et ça va pour le choix du titre, comme pour l'identité, l'illustration et l'identité. Ça répond déjà au fait qu'un livre, quand il arrive et qu'il va être édité, il rentre dans l'identité de la maison d'édition, il rentre dans l'identité de la collection ou de la série dans laquelle il est. Donc déjà, tout ça, c'est sous contrainte. Et en plus, je le rappelle souvent, le but d'un livre, ce n'est pas de faire plaisir à l'auteur ou l'autrice, c'est de donner à lire au plus grand nombre. Et donc, une grosse partie de cette diffusion-là se passe en librairie, et en librairie, il y a du monde.
Donc il faut rentrer dans les codes du milieu et jouer de quelques codes un peu osés pour se démarquer. Et ça, je suis désolé, ça fait un petit peu dictature éditoriale, mais on met pas trop de monde autour de ces choix-là. Et donc c'est posé tout le temps en préalable aux auteurs autrices de dire que cet espace-là, ça va être compliqué pour eux de donner leur avis. En tout cas, pour ce qui est de l'identité, de l'illustration et de l'identité de la couverture, sur le titre, bien sûr que là, on rentre en débat. Ils proposent des choses, ils tiennent à des mots. Nous, on répond avec des univers qu'embarquent certains mots, des imaginaires sur lesquels on ne peut pas aller, etc. Et voilà, c'est de l'aller-retour pour arriver au titre qu'on espère à chaque fois idéal. Donc en fait, pour garantir une cohérence, c'est presque le moment où ton rôle de coordinateur au sein des éditions de commun est le plus fort. Tu dois réellement coordonner différentes personnalités et différents enjeux autour de la conception d'une charte graphique commune, quoi. Mais je veux pas faire mon calimero avec cette ce que je vais dire là, mais c'est quand même une tâche très ingrate et qui est pourtant inhérente au poste et à mes responsabilités. C'est qu'à un moment, je dois faire avec sur chaque livre avec une quinzaine d'interlocuteurs et interlocutrices différentes, et que tous ces gens-là ne savent pas qu'il y a toutes ces autres personnes autour de la table, et que mon travail, c'est tout le temps de trouver des compromis pour que le moins possible de gens soient frustrés. J'ai même pas dit à l'inverse que pour que le plus possible de gens soient heureux. C'est même pas ça la question. Ça va être que l'objet arrive en ayant fait le moins de dégâts dans les personnes qui sont autour de la table. Bien sûr, avec une place prépondérante pour la personne qui a produit l'œuvre et pour toutes les autres qui viennent ensuite, quoi. Ok, c'est peut-être un peu dur comme conclusion pour un épisode sur la conception du livre. Est-ce que tu as un peu de douceur à nous apporter pour finir dans ce monde de brut? Ce que je voulais dire, c'est pas que je suis seul à décider, loin de là en plus, mais c'est que à chaque fois, sur chaque étape, on fait en sorte de s'entourer des meilleures personnes pour faire les bons choix. Donc on a le comité de lecture qui va décider de si on part sur un livre ou pas. On a le binôme Clément et Lucie pour Lucie David pour la couverture, etc. Et tous ces gens-là, on est en confiance avec eux. Donc si je commence à venir en négociation parce que telle couleur qu'ils ont choisie ne plaît pas à telle autre personne de la chaîne, si je remets en question le choix du comité de lecture en amont sur un choix de manuscrit, on ne peut plus, en fait, à un moment aboutir. Et que tout ça, en tout cas... c'est poser des bases peut-être dures, un peu directives, mais bien sûr, pour tout le temps rentrer en discussion. Il faut se dire que si on a un livre qui nous arrive entre les mains ou en librairie, c'est qu'au moment, on a mis de la concession à plein d'endroits et qu'on est tous tombés d'accord. On n'édite pas un livre où il y aurait un veto à un moment d'une personne et avant tout des auteurs-autrices. C'est vrai qu'on a, rien que sur la dimension esthétique, énormément de personnes impliquées. Il y a Fabrice, du coup, en amont sur toute une réflexion on va dire plus global sur la maison d'édition en tant que telle. Il y a Lucie et Clément, il y a Lucie sur les maquettes d'agencement, mais aussi pas mal d'illustrations. On mobilise des illustrateurs une illustratrice pour le podcast et sur d'autres projets. Rien que sur la dimension graphique, on se rend compte qu'on a déjà une équipe qui est très très présente. Et en même temps, c'est quelque chose d'important pour nous. Tout à fait. Voilà. Et mon rôle en tant que responsable, mais ce serait le rôle de n'importe quelle autre personne à ma place, c'est bien de coordonner tout ça et d'écouter la parole de gens avec qui on a essayé de s'entourer. En fait, je suis pas un one man band tout seul à porter cette maison d'édition. Il y a énormément de monde autour et donc on écoute. Surtout que c'est pas tant un rôle décisionnaire, parce que ce qui est ressorti, notamment quand on travaille avec Chloé, qui illustre les podcasts, merci Chloé, c'était réellement l'envie de choisir une personne qui avait une identité forte et de la faire bosser avec son identité. Et de faire confiance, voilà. Au moment où on croit, on la rencontre entre un texte pour les livres, mais un contenu pour le podcast, et une illustratrice ou un illustrateur. Et à un moment, une fois qu'on a fait ce choix-là, on rentre en confiance. Voilà. Sinon, on devient directeur et la personne en face devient exécutant, et c'est pas comme ça qu'on travaille. Voilà, la confiance, ça c'est déjà un peu plus de douceur pour finir l'épisode. Donc on arrive à la fin de ce quatrième épisode de La Mécanique du Livre. On espère qu'il vous aura plu. Merci Benjamin pour avoir échangé avec nous. Merci à toi et merci encore une fois justement à tous ces gens
derrière les éditions du commun. On vous laisse pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour le 5e épisode qui sera dédié à la promotion du livre. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.